Bonjour tout le monde, ici Karim Kane avec vous, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu The Evil Within 2 live de la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah! Bon. Tu vois que c'était quoi? Où est-ce que je suis? Pas se poser. Yo. Là, ça va-tu? Ok. Non, quoi? Ça vient d'où ces quoi-là? De ma voix? Ou le coup du jeu? Quand j'ai touché ça, là, il y a plus d'écho. Là, il n'y en a pas. Là. Salut, ça va? Bon, ça veut dire que toutes mes vidéos, j'avais de l'écho, il n'y a personne qui m'a dit. C'était... J'ai touché de quoi? C'est le fun. Ce symbole me dit quelque chose. J'ai dû le voir dans le vrai monde. Bienvenue, en français. Vous venez chercher des réponses. Je suis là pour vous aider. Qui est là? Vous allez où?
Et le feu s'est éteindu. On dirait qu'il a été brûlé vif. Ah oui, normal. Comment on fait ça, tabarnak? Des instruments de torture. Ces trucs datent du Moyen-Âge. Après moi, c'est par là, faut y aller. Fait, je vais checker la porte là-bas. Oh. Ah ah. C'est arrivé d'où, oui. Il travaille aujourd'hui, ça va bien été. Qu'est-ce que tu fais, le mêlé? Ok, ouais. Es-tu beau au moins? Trop chaud? J'ai-tu manqué de quoi?
On n'a plus besoin de brûler les cadavres ici, à cette heure. Je sais pas si t'as aperçu. Il me faut une manivelle pour l'actionner. Des fois, quand tu allais, exemple, tu vas aller brûler un cadavre à terre, ça l'en tuait. Mais sinon, c'était... Souvent, c'était du gaspillage. Ils avaient enlevé les allumettes. Ils se sont dit, c'est trop casse-trouble. Casse-tête, whatever. Calice. Il y a quelque chose qui va pas. À moins c'est à cause du masque. Je peux pas lui tirer dans la face à cause du masque. La manivelle. Ça devrait faire l'affaire. Calice. Chris, ça vise pas bien ça! Ah, oh, tu le maintiens!
Oh, calice! Fucker. Fucker. Fuck, fuck. Fuck, c'est pas bonne chose. Tabarnak, Rémi! C'est quoi d'être là? Ah, pendant que c'était laid, hein. tout était laid là-dessus, c'ti. C'est ça que je voulais, c'ti. Je tire de la boucane. Y'a rien qui était beau, c'ti. Résister dans la nature humaine, qu'il s'agisse de résister au changement, à l'autorité, au désir, mais le prix à payer, mental comme émotionnel, pour cette résistance dépasse souvent les bénéfices égrangés. L'univers, par sa construction, est trop bien organisé, trop parfaite. Comment pourrions-nous croire qu'une telle perfection soit le fruit du chaos? J'aimais l'hypothèse d'un plan pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous. Certains disent que toutes ces choses ont sa raison. Certains appellent cela le destin. Quoi qu'il en soit, malheur à ceux qui tentent de lui résister. Oh. Une pochette. Gosti!
Chris, j'aurais pu faire ça tantôt pour regarder. Oh yeah! Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, je suis toujours là. C'était pas un rêve. Eh oh! Est-ce que quelqu'un m'entend? T'entends? Ok, on avance tranquillement, on avance. C'est déjà une demi-heure. Qu'est-ce qui se passe?
avez tout perdu. Vos échecs vous ont d'abord conduit à l'inaction, puis au désespoir. Et ensuite vient l'autodestruction. Quelqu'un en boîte. Pas courir. De voir. Tout est ta faute. Tu es un raté. Ta fille est perdue à cause de toi. Tu n'as pas pu la sauver. Vous avez la clé pour apaiser vos tourments. Je peux vous guider jusqu'au verrou. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? L'histoire se continue. Je trouve qu'il est sensiblement pareil. Le 1, ce qui l'a tué, je trouve, c'est... Toutes les boss étaient durs. T'arrives à la fin, pas de boss. Boss de marde. T'es comme, ben voyant. On dirait que j'ai peur de monter en haut, puis je peux plus revenir là. Comment on va revenir là?
Bon. 1-4, 1-8. Inspecteur Castellanos, c'est bon de vous revoir. Quatre, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. T'as de marde. J'ai jamais trouvé la pièce. Oh, il y a amélioration, si j'ai pas vu ça. Pas vu ça. Shotgun va être un peu meilleur. Ah, il y avait le temps de rechargement. Fuck, j'avais pas vu ça. J'ai inquiété pour la puissance de feu, mais... Ça, c'est la vitesse qui tire. Capacité de munitions.
Bon. Il faut reproduire. J'ai quelque chose à me guider dessus. Ah, il est là en face de moi. Et voilà. C'est ça. Ok. Cinématique. Ça pue. Ça sent le... Ça sent l'indésirable. Sebastian Castellanos. Vous voilà enfin. Le noir, c'est qui? Je vous attendais. Et vous êtes qui? Mes fidèles m'appellent Père Théodore. J'espère que vous y viendrez aussi, mon ami.
qui se prend pour Dieu. J'en ai déjà tué un comme vous aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas. C'est comme ça que vous réglez tous les problèmes de votre vie. Par la force brute et l'intimidation. Et regardez où ça vous a mené. Dans un enfer que vous avez créé. Baissez votre arme. Utilisez votre tête au lieu de vos poings, pour une fois. Nous avons le même objectif, Sébastien. Nous pouvons nous entraider. Rejoignez-moi. Vous, vous retrouverez votre fille. Et moi ? Et moi, eh bien, j'aurai le pouvoir du noyau. Je sais déjà qui a lié. Oui. Et Mira ne la lâchera pas si facilement. Quoi ? Où sont-elles ? J'aimerais pouvoir vous le dire. Mais vous n'êtes pas prêts. Vous devez intégrer mes fidèles ouailles avant que je puisse vous en dévoiler davantage. Bordel, dites-moi où elle est ! Acceptez mon offre. Je peux vous mener hors de vos propres ténèbres. Je peux vous mener à Lily. Désolé, je ne suis pas l'un de vos fidèles. Qu'il en soit ainsi. Vous souffrez tellement. Vous êtes constamment hanté par les événements du passé. Je vous ai montré la voie. Vous devez comprendre que je suis là pour vous aider. Revenez me voir de votre plein gré. Alors nous pourrons adopter nos rôles naturels. Pas en tant qu'adversaire, mais en tant qu'allié. Nous nous reverrons, Sébastien. Le jeu est tellement bizarre. Attends. Eh ben, enfin réveillé, c'est pas trop tôt. J'aurais bien besoin d'un petit coup de main. Tu sais te servir d'un flingue, pas vrai? Prends ce côté. Canardelez jusqu'à ce qu'il crève ou qu'on ait plus de munitions. Qu'est-ce qui se passe ici ? On parlera plus tard. Contente-toi de rester en vie. C'est pas mauvais, toi non plus. Ah, nice. Pour un shot à côté, c'ti. C'est pas ta première fois, on dirait. Je compte plus à force. Vite, fais le plein de munitions. Il y en a d'autres qui arrivent. D'accord. Mais j'aurai besoin de réponses quand tout ça sera fini. Tabarnak! Hey, viens me filer un coup de main, tu veux? Hey, un calice! Avec la dent. Adios, grenade. Bordel, ils m'ont pas raté. Oh.
bordel, ils sont partout. Ne les laisse pas t'encercler. C'est quoi ce bruit? Oh, bon, je fais peur. Fais gaffe! Ah, qu'est-ce que c'est que ces saloperies? On s'en fout, bute-les! Ouvre la tête et économise les munitions. Ouvre ça, espèce de sale fils de pute! Je crois que c'était le dernier. Viens, il faut qu'on bouge. Par là. Merci. Je m'en serais pas sortie toute seule. Je m'appelle Esmeralda Torres. Moi, c'est... Sébastien. Je sais. Castellanos. Ah bon? On dirait qu'on les a eus. On ferait mieux de bouger avant qu'il en arrive d'autres. Comment j'ai atterri ici? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le moment de poser des questions. Ma planque est pas très loin. On discutera en route. Viens. Prends ce qu'il te faut. Je t'attends dehors. Fais pas de bruit. Il pourrait y en avoir d'autres. Dis-moi au moins comment tu connais mon nom. Kidman m'a demandé de garder un œil sur toi. Kidman. Elle a dit qu'elle essaierait d'obtenir ton aide si le plan foirait. Et tu es là, donc... Attends. Je suis perdu, là. Quel plan? Sortir Lily de là et... éliminer Mobius une bonne fois pour toutes. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Et où? Merde. Laisse-moi deviner. C'est le chemin qui mène à ta planque. Il doit y avoir un autre chemin. Suis-moi. Je suis. Attends, une seconde. Ton plan. Kidman ne m'a jamais parlé de ça. Tu m'étonnes. J'imagine qu'elle a pas pu te donner les détails devant tout le monde. Par ici. À ta planque, il y a doit lever le tronc une sauvegarde. Passe dessous. Compris. Je vais... Allez, passe. Oh, ça va aller? Je peux t'aider? Bouge ton cul avant que je te lâche sur la tronche. Ok, c'est bon. Merci. Maintenant que t'as levé ça, ça va bleu. Tu veux faire une petite pause, papy? Ça va. Je suis pas si vieux. Ah, c'est ton Alors, opinion. Pendant tout ce temps, Kidman avait un plan pour faire tomber Mobius. En fait, c'était le plan de ta femme. Quoi? Mira? Alors c'est pour ça qu'elle est là. Elle fait partie de Mobius. C'est n'importe quoi. Va falloir se baisser. Va pas te faire un tour de rein. Lâche-moi un peu avec ça, Torres. Esmeralda, tu te calmes. Ta femme, tu sais. Elle est persuasive. C'est elle qui m'a recruté pour ce plan. Je comprends pas. Pourquoi elle les a rejoints? Elle a découvert qu'ils détenaient Lily. Elle savait que le seul moyen de les éliminer était depuis l'intérieur. Alors elle les a rejoints et a patienté jusqu'au bon moment. C'est donc là qu'elle était. Pendant toutes ces années. Bon sang. C'est dur à digérer. Je veux bien te croire. Mais... restons concentrés.
faut qu'on passe de l'autre côté. Tu peux m'aider? Oui. Ouais, bien sûr. Prête. C'est bon, je te tiens. Ouais, ouais, ça va. Hé hey, tu vas quand même pas me laisser là? Quoi? Tu croyais que j'allais t'abandonner comme ça? Tabarnak. T'es fort pour lever un homme de même. C'est du plan maintenant. Le plan. Ok. Qui d'autre faisait partie de votre petite mutinerie? On était que quatre. Moi, Kidman, Mira et Théodore. Théodore? Le père Théodore? Le père Théodore? Moi, je l'appelle Théodore Wallace. Tu le connais? Je l'ai rencontré. Mais il a pas envie de sauver Lily. Il la veut pour lui tout seul. Il a même essayé de me convaincre de traquer Mira. C'est lui qui a tout fait foirer. Et... qu'est-ce qui était censé se passer? Une fois Lily récupérée par Mira et Théodore, lui et moi devions la faire sortir pendant que Mira s'occupait de Mobius. Et Kidman devait s'assurer qu'on puisse sortir du STEM depuis l'extérieur. Merde, c'était censé être facile. Rien n'est jamais facile. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain! Merde! On a des ennuis, regarde! Vite, suis-moi! Et où? Désolé pour ta planque. J'aurais pas mis ma planque en évidence comme ça. Elle est cachée, mais faut qu'on passe ces trucs pour l'atteindre. Tu vois la bannière rouge derrière cet immeuble? Ouais. La trappe qui mène à ma planque est dessous. Ok, je passe devant. Suis-moi et reste à couvert. Ok, mais écoute-moi, j'ai déjà vu ces choses-là avant. T'approche pas d'elles quand elles sont en feu. I'm not. C'est l'enfer, ce gun-là.
tabarnak, cours pas! Attends. Yeah, let's do it. Bon, et ça tu voulais qu'on venait, tu m'as dit. En fait, là. Ah bah. Bon. L'essentiel, c'est le résultat. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le problème, c'est que tu les as tout amenés sur nous autres, tabarnak. On n'est jamais mieux que chez soi, mais une planque. C'est pas mal non plus. Une planque. Bon, prends pas peur à cause de la quantité d'explosifs. Ils sont inoffensifs. Du moins, jusqu'à ce que je les arme. Ouais. C'est logique. Bon, bah ça sent là. Oh, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour Théodore? J'en sais rien. Il est complètement fou. Son repère semble tout droit sorti de l'Inquisition. Je devrais être soulagé que Lily soit avec Mira plutôt qu'avec lui, mais... Quoi? Lily est avec Mira? Ouais, mais je suis pas sûr qu'il faille s'en réjouir. Elle est... différente. Cet endroit semble l'avoir affectée. Elle se cache pour protéger Lily de Théodore, et il reculera devant rien pour les trouver. Si j'arrive à l'arrêter, peut-être que Mira retrouvera ses esprits et qu'on pourra sortir Lily de là. Alors, tu veux tuer Théodore? Ouais. Mais il va d'abord falloir le trouver. Comment tu comptes t'y prendre? O'Neill devrait pouvoir m'aider. Je vais l'appeler. Mais il faut d'abord que je prévienne Kidman. D'accord. Mais fais gaffe à ce que tu dis par communicateur. Elle est sûrement dans la salle de contrôle avec ce serpent qui lui tourne autour. Sébastien, où étiez-vous? Vous avez trouvé Stefano? Mieux que ça. Je l'ai éliminé. Bien. Et Lily? Elle m'a échappé à nouveau. La bonne nouvelle, c'est que j'ai rencontré l'agent Torres. Ses informations m'ont été précieuses. C'est une bonne nouvelle, en effet. Quelle est la mauvaise? La mauvaise, c'est que quelqu'un de plus puissant que Stefano veut prendre le contrôle de cet endroit. Et pour ça, il a besoin de Lily. Torres m'a dit que vous le connaissiez. C'est un sacré beau parleur. Bon sang, je crois que je vois de qui vous parlez. Je vous envoie quelques trucs utiles dans votre salle. Tenez-moi au courant. Vous savez que je suis là pour vous. Je sais. J'ai confiance en vous. Bon. Il est temps de passer aux choses sérieuses. O'Neill, c'est Sébastien. Répondez. C'est pas normal. Je vais essayer de le trouver. Toi, tu restes ici et tu prépares tes armes et tes explosifs. J'aurai besoin de ton aide quand j'aurai localisé Théodore. Je peux accéder à la moelle d'ici? Ouais, il y a un ordinateur de Mobius dans cette pièce. Il t'amènera à la sortie 72. Super. Je t'appelle quand je suis prêt. Ouais. Bonne chance, Torres. Ok. Bonne chance à toi aussi. Bon, on va sauvegarder ça, mon turbo. Oh, chapitre 11. L'écriture de ce journal est propre et ensemble appartenir à une femme. Voici ce qui a été écrit en dernier.
Je ne sais pas depuis combien de temps j'attends le retour de Mira et Théodore. Le temps est un concept particulier dans le STEM. Encore plus depuis que Lily s'est enfuie. Tout ce que je sais, c'est qu'il devrait être déjà rentré. Si je meurs ici, je veux juste que la personne qui trouvera ce journal sache que je suis venu de mon plein gré. J'ai fait quelque chose il y a longtemps, quelque chose que je regrette, et c'est pour ça que je suis là maintenant, à essayer de faire sortir Lily d'ici. C'est ma dernière chance de rédemption. La porte est là. Juste avant, je vais parler, voir s'il y a quelque chose à me dire. J'ai quelques questions à te poser avant de partir. Tu as dit que Mira était censée rester pour s'occuper de Mobius. Mais comment ? En utilisant le STEM contre eux. Tous les membres de Mobius ont une puce cérébrale implantée qui leur permet d'entrer dans le STEM sans être affectés. La puce leur offre un accès et des avantages auxquels les citoyens normaux n'ont pas droit. Et vous les laissez vous implanter ce truc ? Ouais, on n'avait pas vraiment le choix. Mira était censée envoyer un signal par le STEM pour neutraliser tous les membres de Mobius via leur puce cérébrale. Un peu comme une lobotomie de masse à distance. Oui, c'est une façon de régler le problème. Si on le fait pas, Mobius remettra Lily dans le STEM et nous tuera tous pour rébellion. C'est la seule façon. J'arrive pas à croire que Kidman soit derrière tout ça. C'est elle qui m'a envoyé à Beacon. Elle a rien fait quand ils ont mis Lily dans le STEM. Ça lui ressemble pas de les trahir. T'es de l'extérieur, Sébastien. Tu sais pas de quoi Kidman est capable. Elle a dû garder le secret pendant tout ce temps, afin de pouvoir frapper au bon moment. Mais pourquoi maintenant ? Et pas quand ils construisaient le nouveau STEM. On a besoin du STEM pour envoyer le signal et éliminer Mobius. Quand Lily a été choisie pour le noyau, Mira et Kidman ont décidé de mettre le plan en marche. Vu la tournure que prennent les choses, c'est peut-être notre seule chance de réussite. Comment Théodore Wallace s'est-il retrouvé embarqué là-dedans ? C'est Théodore qui a eu l'idée d'envoyer un signal via le STEM. Mais maintenant que j'y pense, son but était sûrement de prendre le contrôle de Mobius. Bordel. J'avais qu'on pouvait pas lui faire confiance. Ce type est plus sournois qu'un serpent. C'est ça son truc. Il peut faire croire n'importe quoi. Il nous a fait croire qu'il était là pour nous aider. Ouais. J'ai connu des gens comme ça. Ils prétendent être ton meilleur ami pour mieux te poignarder dans le dos. Je nageais en plein bain de sang dans le purgatoire de Théodore, et tout à coup je me suis retrouvé dans cette maison avec toi. Je comprends toujours pas comment tu m'as trouvé. Moi non plus. J'explorais la zone autour de ma planque, et j'ai entendu une voix de fille qui venait de cette maison abandonnée. Je suis allée voir. Il n'y avait pas de fille, mais t'étais là. C'est comme si on m'avait guidée jusqu'à toi. Une voix de fille ? C'était forcément Lily. Mais comment ? Impossible de savoir comment ni pourquoi les choses arrivent ici. Le STEM était déjà imprévisible avant qu'elle s'échappe. Alors maintenant, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer de comprendre ce qui se passe. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu The Evil Within 2 live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!